Voici une première capsule. L'atome, finalement, c'est quoi? C'est la plus petite entité qui s'associe pour donner une molécule. Par exemple, une molécule H2SO4. Dans cette molécule H2SO4, nous avons des atomes d'hydrogène, de soufre et d'oxygène. L'atome, c'est aussi un ensemble neutre de particules. Quand on parle d'un atome, on parle souvent d'un modèle particulier qui s'appelle le modèle de Rutherford. Rutherford a découvert l'atome selon le modèle suivant en 1911. Il y situe deux zones. Une première zone, d'abord le noyau au centre, là, et enfin le nuage électronique. Ici. Maintenant, nous allons faire une petite synthèse. Alors, à l'intérieur, nous voyons le noyau. Il est positif, ce noyau, et il contient des particules qu'on appelle des protons. À l'extérieur, on a le nuage électronique. Hop. Et dans ce nuage électronique, nous avons des particules négatives qui sont appelées électrons. Si l'on regarde les différentes particules qui composent l'atome, on en voit deux, comme je l'ai dit précédemment, le proton qui a une charge positive et l'électron qui a une charge négative. Dans un atome, il y a autant de protons qu'il n'y a d'électrons. Le total est neutre. L'ensemble doit être neutre. Égal, vous pouvez mettre aussi. En ce qui concerne la masse des protons est de 1,67 × 10⁻²⁷ kg. Celui des électrons, approximativement 9,1 × 10⁻³ kg. Ça fait une sacrée différence. Tellement grande la différence que nous adapterons notre notation en disant que globalement les protons ont une masse de 1. On ne parlera plus de kilos dans ce cas-là. Et les électrons sont considérés comme négligeables et n'auront pas de masse. Ici, ce sera différent de kilos. Sont des masses relatives, nous verrons ça plus tard.